16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Avant de plonger dans les familles en or de l'histoire, voici le moment qui vous permet de découvrir les origines d'un objet du quotidien, Origines souvent insoupçonnée. Aujourd'hui, David, vous nous racontez l'histoire fascinante de l'épilateur. Oui. Je sens une petite ironie peut-être dans la fascination. Jamais avec ces femmes. Jamais. Euh, moi, je suis assez heureux de vivre dans notre époque hein, parce que je veux dire, on a quand même assez bien domestiqué la douleur. Quand on accouche, on a la péridurale. Quand on a des calculs rénaux, il y a l'anesthésie générale. Et en plus, plus personne nous oblige à aller faire la guerre si on n'a pas envie. Donc, on, en plan on se prend plus des coups de baïonnette dans les yeux. Mais quand même il reste une douleur qu'on s'inflige à nous-mêmes, et cette douleur, c'est celle de l'épilation. Pourquoi on s'épile Eh bien parce qu'on s'imagine... Vous, vous épilez beaucoup, vous. Oui, hein. Pas énormément, <laughs> peut-être oui. pas assez. On s'épile parce qu'on <laughs> s'imagine, qu et on n'a pas forcément tort, que la majorité des gens préfèrent, d'un point de vue érotique, une pilosité ouais. faible ou modérée, c'est une pilosité abondante. On se l'imagine en tout cas. Alors on s'épile et on crie et on pleure et on est triste, mais on se dit que ça vaut la peine parce qu'on va pécho. <laughs> mais évidemment, tous les gens ne sont pas égaux devant l'épilation. Déjà parce qu'il y a une grande diversité génétique injuste dans le degré de pilosité. Stéphane, tu pas un poil, j'ai l'impression. Si, 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 ah, si. sur le torse, mais sinon, vous vous épilez le torse Stéphane pas, Jamais, je ne me suis jamais épilé. Jamais. Vous n'y avez jamais songé. Bah non, pourquoi ouais, Mais les hommes ne s'épilent pas. Bon, mais, que, mais moi, beaucoup d'hommes s'épilent. Ah oui Je vous raconterai. Oui, c'est vrai que ça peut arriver, ça peut arriver quand même. Mais y a, y a, ce que je voulais, c'est qu'il y a, y a une grande femme surtout qui s'épile. Bah, on a compris, si ce n'est pas les hommes, c'est forcément les <laughs> mais, femmes. Non, mais, pas, mais, non, pas, <laughs> non bah parce que maintenant, ça peut être... <laughs> non, ça peut être... <laughs> bah, vous ça étrange, fait, genre, vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé aux États-Unis ou au Canada. Maintenant, oui. il faut faire très attention. Il bah, ne oui. pas, y a le Covid, Stéphane. Il y a It, ou uh, She, Zey. Uh, oui, c'est vrai, vrai, vrai ouais, ouais, Excusez-moi, Excusez-moi, <laughs> je suis peu moderne. Donc, je disais. Oui, gens... Et que disiez-vous <laughs> finalement C'est vrai, <laughs> euh, Tous les gens ne sont pas égaux devant l'épilation. Déjà parce qu'il y a une grande diversité génétique injuste dans le degré de pilosité. Mais surtout parce que les pauvres ne peuvent pas s'épiler comme les riches. Quand vous êtes riche, vous confiez vos poils à une personne diplômée, un spécialiste des poils qui vous épile sous une lumière douce avec un disque qui passe des bruits de forêt. Mais quand vous êtes pauvre, vous devez vous épiler tout seul. Et l'une des principales façons de s'épiler tout seul, eh bien, c'est l'épilateur électrique. Alors, l'épilateur électrique, ça fonctionne selon un principe simple. Il y a des lames en métal ou des ressorts qui emprisonnent le poil, puis qui tirent du de ah, tout dessus. C'est terrible, Et pour puis ça le C'est voilà, pas exactement. mieux de mettre de la cire d'épilateur. Ah oui, ma maman, elle faisait ça elle avec, avec des gants, de ah, la Alors, la cire, on, on y viendra un petit peu après, mais la cire, déjà, ça fait plus mal encore. Et deuxièmement, ça peut poser des, des, des problèmes logistiques. C'est-à-dire, on ne peut pas le sortir de son sac et hop, tac, j'ai oublié ah, trois poils. effectivement, voyez. il faut voilà. du temps et de l'espace. Mais alors, la question qui me brûlait. Et dont je sens qu'elle brûle aussi les auditeurs, c'est mais qui c'est qui a inventé bah l'épulateur oui. électrique Eh bien, figurez-vous figurez que pour le savoir, je suis allé en Israël. Voilà, la plupart des journalistes, ils vont dans la région pour interviewer le Hamas. Moi, je suis pour interviewer l'inventeur de l'épilateur électrique. Alors, l'inventeur, il s'appelle Yair Dar, il a plus de 70 ans maintenant, et il est frappant visuellement parce qu'il a un bandeau sur l'œil. C'est Moshe Dayan. Voilà, comme, Alba, comme Albator et comme Moshe Dayan. Euh, et puis, bien sûr, il parle hébreu, et moi, quand on me parle hébreu, j'ai toujours l'impression qu'on qu n'est pas là pour déconner. Yair Dar, et Ouais, sérieux, vous voyez, bon, ça, c'est la phrase que je fais dire à tous les inventeurs, hein. Je m'appelle Yair Dar et c'est moi qui ai inventé lady qui est la marque du premier épilateur électrique. Yair, il était ingénieur. Et c'était aussi un inventeur, c'est-à-dire un type qui réfléchit toute la journée à des trucs pour améliorer la vie des gens. Et en matière d'épilation, avant, les gens, soit ils se rasaient et ça repoussait, soit ils s'épilaient à la cire. Mais logistiquement, comme on en a parlé à l'instant, c'était problématique. Alors pendant 10 ans, Yahir, il bosse, il fabrique 15 prototypes différents que j'ai tous vus. Hein, C'est assez joli. Il y en a vraiment qui ressemblent à des, à des fraiseuses de chantier. C'est très joli à voir. Il les teste lui-même sur ses jambes. Et puis finalement, il arrive à un modèle qui marche. Et en 1986, le premier épilateur électrique de l'histoire du monde est commercialisé sous le nom d'Epilady j'ai retrouvé euh, une des premières pubs pour l'Epilady à l'image euh, on voit des mains, les mains d'un homme en gros plan qui caressent les jambes d'une femme et ils discutent, je vais vous la passer. Attention, il y a du saxophone hein, qui dans les années 80 était la bande son obligatoire de tout projet érotique. Your legs, yes. they feel you they feel silky, mm -hmm. soft. <laughs> Alors, je vous propose de traduire le dialogue, ah, Mathieu. C'était avant midi tout ça, oui, alors oui. Oui, oui, euh, oui c'est un peu sexiste. Euh, vous voulez bien faire la fille <laughs> Un poil, si j'ose dire. Oui, je veux bien faire voilà, la fille. Alors, oui. alors, alors on, va on va traduire ce qu'on. Je suis ouvert à tous, mais déjà arrivé. Bon, pardon <laughs> Vos jambes, Mathieu. Oui. Elles semblent différentes. Vous avez remarqué On dirait de la soie. Oui. Elles sont douces. C'est vrai. Mais mm. comment avez-vous fait ça s'est super bien passé on a super bien travaillé. ça s'est bien passé on s'y mais, mais, mais limite ça m'a quand même fait des, des, petits, des petites sueurs froides ah donc, oui? parce que M'imaginer avec David en train de me draguer, en train de, de toucher mes jambes. Bah, il est quand même plus poilu que vous encore. Il, il un est petit peu en plus bon. encore plus poilu encore plus plus plus, alors que <laughs> Ça a l'air déjà ouais. pas mal. Ouais, ouais, oui, je pense que un peu plus. Alors, le contact entre moi et Yahir, il est bien passé. Si bien qu'à la fin <laughs> de notre entretien, il m'a offert un exemplaire original d'Epilady que j'ai amené ici. Ah, c'est ça. Il est branché. Et Mathieu, en hommage à cette belle technologie qui permet de pécho, je vous propose de l'essayer sur vous immédiatement. <laughs> Absolument pas. Regardez. Ça fait trop mal. Ça, si, si, ça fait un super. Je l'allume. Approchez votre main. Ah non, non, non. Horrible, regardez un tout ce petit peu. Ma main. Vous êtes super. <laughs> ma, Merci ma, ma compagne <laughs> essaye toujours de, de, de m'épiler. Elle me dit Je veux que tu ressentes ce que ça fait parce que ça fait vraiment mal dans certains endroits. Donc, je veux que tu essayes. Et à chaque fois, je dis non. Est-ce que je refuse à ma compagne J'ai accepté <laughs> pour cette émission. David Castelopez, c'était votre dernière chronique, <laughs> mais c'était une très, très bonne chronique, fort intéressante. Merci de nous avoir fait découvrir les origines de l'épilateur électrique. électrique. Merci. Merci à vous. Oui. Et pourquoi Stéphane, n'a pas essayé il non, est plus loin. J'ai pas juste... de poils sur les bras. Mais j'avais une question. <laughs> J'ai un fond dans le bras. Vous êtes sûr que la cire. Ça fait pas les, les, bandes, les bandelettes avec la cire, oui. ça, fait, ça fait plus mal que l'épilateur électrique la, 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 seule, le, la seule source que j'ai, c'est Yair Dar lui-même qui m'a dit on a fait des tests, on a mesuré la douleur, on a fait des. Euh, avec, avec des gens, et les gens ils disaient ah, la cire, ça fait vachement plus mal. Bon, il est, il prêchait pour sa paroisse, mais à, à, à priori, ça fait quand même un oui, peu plus mal. Et puis surtout, mal. Stéphane, pour quelqu'un qui s'épile pas, vous posez quand même beaucoup, beaucoup de questions sur l'épilation. <laughs> je dis ça, je dis rien. européen historiquement vôtre.